Bonjour à tous, donc on est vendredi 15 septembre 2017. Donc Alexis vient de rentrer, moi je suis rentrée super assez tôt du travail, je suis rentrée il y a 10 minutes, mais donc il est que 5h moins 10. Alexis veut pas que je le filme, tu mets ton blouson sur la parce qu'il est mouillé là. Non, sur la chaise, mais bien. Remets la manche comme il faut. Si, il est mouillé. Bah je vois, il a plu. Hein. Donc bref, attends, je vais mettre la main. Bah prends-le Alexis, le lait. Comment je vais rester là. Donc Alexis va goûter, il rentre de l'école là, enfin des nappes. Ça sent le fromage, ouais. Je te filme pas alors? Donc qu'est-ce que je voulais dire, donc ça y est, on est enfin en week-end. Donc voilà, Alexis part chez son papa demain matin. Et puis dimanche, nous on reçoit du monde. Donc le cousin de David et sa femme, c'est des. Donc ils habitent, eux, ils habitent à Nantes, mais ils viennent à Paris ce week-end. Donc ils viennent nous voir samedi, dimanche midi. Donc c'est super parce que je les adore, on s'entend super bien, on se voit pas beaucoup, pas trop parce qu'ils habitent Nantes, c'est pas forcément évident qu'on se voit deux fois par an grand maximum. Mais on passe toujours des super bons moments ensemble. Généralement, on passe tout un week-end ensemble, soit on va là-bas, soit ils viennent. Bon, là, comme ils viennent pour autre chose, ils passeront que le dimanche. Donc, ça va être super sympa. J'ai soufflé tout à l'heure. Donc, voilà. Sinon, je ne sais pas si vous connaissez l'application et le site internet d'ailleurs aussi. Moi, j'utilise l'application. Vinted. C'est une application pour, qui sert entre particuliers pour vendre des vêtements, sacs à main, bijoux, un peu de tout. Où est mon téléphone? Je prends deux. C'est quoi? Les gars. Et en fait, je suis tout perturbée. Donc, c'est une application, c'est celle-là, je vous montre. Hop! Voilà, Vinted, et c'est une application qui permet voilà, d'acheter voilà, des vêtements, enfin bon bref. Donc là, donc moins cher, et puis on peut filtrer donc avec état correct, bon état, très bon état, neuf avec étiquette, bref. Donc là, moi, j'ai commandé quelque chose. Donc, je me suis livré dans un poire au lait chez Natureo, au supermarché bio. D'ailleurs, j'en ai profité pour regarder les rayons bio dans le supermarché. J'étais jamais rentrée, c'est trop cher, quoi. Trop cher. Mais bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, je me suis commandé un sweat. Donc, je vais l'ouvrir et voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Oui, il a des pluches. Alors attendez. Donc voilà, c'est un sweat. Donc il est avec une espèce de col là, qui fait un peu col roulé, enfin qu'on peut mettre comme on veut. Voilà, c'est un sweat comme ça. Hop. Avec des poches là. Donc c'est vraiment un truc de. Comment on dit? Sportswear, n'est-ce pas? Oh, j'ai une tête de folle. Donc voilà, donc je vais l'essayer, je vais le laver, même s'ils sont bons d'ailleurs. Donc je pense qu'elle a peut-être lavé avant, mais des fois, bon, je préfère relaver quand même, c'est pas parce que... Mais sait-on jamais, enfin sait-on jamais. Toujours mieux de leur laver, même s'ils sont, ils sont propres. Et donc voilà, donc je vais aller l'essayer, et puis je vais voir s'il me va, et puis je vais prévenir la personne. Je vais aller noter, enfin noter, je vais cocher sur le site que j'ai bien reçu le colis. Voilà, je suis contente. J'ai essayé, donc il me va, il est peut-être un peu court, moi j'aime bien les trucs longs, mais non, il est très sympa, du coup, je n'ai même pas regardé la marque que c'était, il était à 8€ sur le site, et il y avait 3€ de frais de port, parce que je suis livrée par Mondial Relais, et c'était avec la poste, et c'est hyper plus cher, donc voilà, donc je suis plutôt contente, donc c'est plutôt un sweat ouais, week-end, ou traînaillage à la maison quand ça caille, là j'ai super chaud de... faire l'essayage. Donc je suis plutôt contente. Voilà.
Chercher un sweat comme ça, sportswear, pour l'intérieur, pour les week-ends, pour glandouiller et tout. Et l'application Vinted, j'en entends pas mal parler sur internet, enfin sur YouTube notamment. Et je me suis dit que j'allais essayer aussi, moi. D'ailleurs, j'ai commandé un autre pantalon à une autre vendeuse. Un pantalon en... Je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, imitation cuir, là. Ça a un nom. Je ne m'en souviens plus, donc on verra bien. Pareil, pas cher du tout. Par rapport au produit. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Je vais me enlever ça, j'ai trop chaud. Sinon, donc comme vous le savez, je me suis désabonnée de My Little Box. Donc j'ai farfouillé un peu dans les box. J'ai sur le site toutes les box. J'ai regardé un peu. C'est pas évident en fait. Je me demande si, enfin, je me suis abonnée à une autre box. Je vais essayer juste un mois et puis si ça me plaît, je continue. Si ça me plaît pas, je continue pas. Donc elle, c'est My Sweetie Box. Donc, je ne sais pas si vous, vous connaissez. Donc elle est à 16€. Voilà. Donc je crois que c'était le prix aussi de la My Little Box. Je crois que les autres sont un peu plus chers, la Birchbox, la Glossy Box, tout ça. Mais si My Sweetie Box ne me plaît pas, j'en ai raté une autre et puis après. Après j'arrêterai, je pense. Ou. Enfin, je sais pas. Donc je vais tester. Donc My Sweetie Box, normalement je reçois celle de septembre. Normalement je la reçois fin septembre, ils m'ont dit à peu près. Donc on verra bien. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je m'obstine avec les box, mais je sais pas, j'aime bien le concept, recevoir des trucs que je ne scripte pas forcément moi-même. Alors au final, au bilan de la My Little Box, j'ai adoré les débuts, je trouvais ça génial, tout ce que je recevais. Enfin, les produits étaient conformes à ce que j'attendais en fait. Vraiment, ça me plaisait. Soit je découvrais et ça me plaisait, soit voilà. Là, ces derniers temps, c'était catastrophique. Catastrophique. Et le coup des t-shirts, je m'en vais pas. 35€ le truc, il est tout petit. Abusé. Je suis sûr que c'est pas 35€, je sais pas qui veut acheter ça, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Parce qu'à la limite, 35€. Enfin, je mettrai jamais 35€ dans un t-shirt, quoi. Et en plus, c'est même pas une marque connue. Enfin, abusé. Donc voilà, donc j'ai hâte de la recevoir pour vous dire, pour vous en dire un peu plus. À plus tard. Je suis super contente parce qu'Alexis, il a dans ses cahiers du jour de très bonnes appréciations du maître. Donc là, il a eu. Je vous montre. Donc ça, c'est dans le cahier de mathématiques. Bon travail, merci pour tes efforts en écriture. Parce qu'Alexis. Pas très bien et il écrit trop vite et il fait pas attention. Là il a eu en dictée 99% de réussite, bon travail, soin à améliorer, je note déjà des efforts, merci. En fait j'aime bien le fait qu'il remercie l'élève de faire des efforts, je trouve ça excellent et je trouve ça très motivant. Alexis, c'est plus qu'il est motif ça. Et là, c'est quoi, je sais plus où c'est. Je sais plus. Je sais plus, mais bon, bref. Donc, que des bonnes appréciations. Donc, je suis super contente. Ce soir, je vais commander des japonais. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas mangé. L'autre fois, j'avais failli, on l'a pas fait. La fois d'avant, j'avais failli, on l'a pas fait. Donc là. Je commande. Ouais, on va se régaler. A plus tard. Bonsoir. Voilà. Ils sont arrivés de bonne heure. Il est 7h30. Hop, ça c'est pour l'appareil photo. Tout au saumon. Le chou, le riz. Alexis. Donc c'est des brochettes. Ouais. Menu enfant. Menu bobole. Enfin, et Alexis, David et. David et sashimi. Et puis les soupes. Du pain, voilà. Puis, donc c'est génial. Bon appétit.